Des salariés chargés de faire de la veille médiatique, de rédiger des synthèses pour leurs clients. Bientôt remplacés par les machines. C'est ce que viennent d'apprendre les employés d'Onclusive, agence de relations publiques. 209 postes sur 383 vont disparaître au profit d'une intelligence artificielle. Ces syndicalistes encaissent le choc. D'une ampleur comme ça, d'une violence comme ça, non, on ne s'y attendait pas. Des cadres, des directeurs, aux simples techniciens de production. Ça concerne effectivement tout le monde. La société, rachetée par un fonds d'investissement américain, évoque une modernisation pour un service plus rapide et plus fiable. Tout programme de transformation de cette ampleur nécessite des décisions difficiles, y compris un plan de licenciement associé. À la clé, un service dégradé selon ce salarié spécialisé dans la veille médiatique. Le flou numérique, le flou informationnel est gigantesque et il faut des êtres humains pour canaliser ce flou, pour faire barrage, pour sélectionner des articles. Et une machine ne peut pas le faire parce qu'une machine obéit bêtement et c'est quelque chose qui est très dangereux. Cette annonce est-elle la première d'une longue série ? Combien de postes pourraient être touchés ? Avec l'intelligence artificielle, 2/3 des emplois actuels pourraient être en partie automatisés, soit 300 millions à travers le monde. Agents administratifs, architectes ou encore assistants médicaux. Un chiffre à relativiser selon certains experts. C'est typiquement ce qu'on a vu avec ChatGPT ainsi que d'autres, il y a des hallucinations. Les hallucinations, ça veut dire qu'il y a des productions d'erreurs par ces machines-là, parce qu'elles vont même parfois inventer des mots, inventer des logiques, inventer des concepts, elles vont inventer des trucs qui n'ont aucun sens. Et donc, il faut toujours l'être humain derrière pour contrôler ce qui s'est passé quand on a produit un document ou une image. Maîtriser ces programmes devrait donc aussi permettre de créer de nouveaux emplois.